Non, c'est pour renouveler bien sûr la pilule. Et c'était aussi parce que j'avais des questions sur la ligature et sur la sûre. Oui. Ah mais j'en veux pas. Le protocole c'est 35 ans pour l'enfant. Mais c'est pas ce qui est marqué dans le texte de loi pourtant. Ah bon. De toute façon, rien ne nous empêche de faire la demande. Mais ça nous est plus d'accord. Enfin, moi je suis pas chirurgienne, donc je vais pas vous la faire. Ah mais c'est le chirurgien qui est au décisionnaire en fait, moi je pensais que c'était le gynéco. Ah non, c'est pas moi qui suis décisionnaire, c'est le chirurgien. C'est chirurgien parce que c'est lui qui fait l'acte, c'est lui qui est responsable de l'acte. Mm-hmm. Et si le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de demandes de recanalisation. Mm-hmm. C'est un vrai problème. Hein. Oui, parce que c'est des marionnettes qui ont une cervelle de moineau qui font ce genre de demandes. Et après, voilà. Oui, donc c'est toujours la problématique. Mais pourquoi vous ne voulez pas mettre un stérilet? Ça serait pareil. Ben, en fait, j'aime pas la sensation d'avoir un corps étranger dans le corps. C'est pour ça qu'au début, j'étais plutôt partie pour une ligature sous cautérisation et pas avec des clips, parce que les clips sont quand même des corps étrangers qui peuvent se déclipper et machin. Après, c'est vrai qu'il est sûr, c'est pas invasif. C'est quand même un corps étranger aussi. C'est pour ça qu'au début, je bloquais un peu dessus. Mais en fait, je voulais des informations là-dessus. Mais sûr, c'est des ressorts formés dans les cheveux. J'ai peur d'enclencher une allergie au nickel aussi avec les cheveux en glace. Alors, les allergies, alors, de toute façon, là, stérilé, vous n'auriez pas d'allergie. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas faire d'allergie puisque ce n'est pas au niveau, c'est au niveau des muqueuses que ça se passe, c'est pas au niveau cutané. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas d'allergie par rapport à ça. Mais il vaudrait bien mieux mettre un stérilé parce que beaucoup moins agressif, moins invasif et moins dangereux. Oui, mais ça bouge un petit peu des fois. Bah, les cheveux aussi. Mais c'est pour ça qu'au début, j'étais vraiment partie sur l'idée de la ligature. Parce que moi, il y a eu la sécurité. Moi, je veux bien que je la fasse. Je veux bien que vous preniez rendez-vous vers un chirurgien, mais il vous dit non. C'est sûr. De toute façon, il vaut mieux que j'essaye plutôt que de rester dans le doute de ah là là, mais si il me dit non, qu'est-ce qu'il va me dire? À ce moment-là, vous prenez rendez-vous en sortant vers un chirurgien, mais c'est clair que... Parce que si je déjà pense, que quand c'est si jamais dans le protocole, ça bug. À part ce qu'il faut chier comme ça ici. Oui, il ne faut pas chier, je veux dire, pardonnez-moi, comprenez que quand vous avez des demandes de recanalisation tous les 4 matins, ils soient un petit peu... Oui, mais il y a bien des décharges que nous on peut signer pour qu'eux soient protégés. Les décharges ne les protègent. Il y a la problématique, c'est que les juges ils sont sympas, mais les décharges que nous signons, les papiers, ils ne protègent pas du tout les chirurgiens. Pas du tout. Si demain après vous attaquez la décharge, ça ne sert à rien. Faites la demande, vous verrez bien, mais. Les chirurgiens d'ici, vous pouvez faire ici. Oui. Bon, je ne vais pas tout effacer. Mais les 4 mois de réflexion, ils commencent à partir du. Du moment où vous avez vu le chirurgien. Ah, alors il faut que je voie lui. Voilà. Mais les 4 mois de réflexion. Oui, bon, d'accord. Voilà. Thank you. Voilà. Et alors, la pilule, vous voit bien quand vous voulez. Parce que ça me vient de prendre. Non, c'est parce que j'ai peur un jour de faire partie des 1,1% de malchanceuses sur qui la pilule ne marche pas. Et j'ai pas envie qu'on me casse la tête si j'aborte parce que je. Avec vous ce qui est... Pourquoi vous cassez la tête? Parce que avec ce qui s'est produit en Espagne, là, je sais bien qu'il y a une recrudescence des anti-IVG qui casse la tête, voilà. Mais non, mais attendez, on va être très clair. Vous êtes ici, il y a le centre d'orthogénie, donc je suis partie. Je suis bien placée pour vous dire que les dames, on les juge pas, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si vous voulez l'IVG, vous devez l'IVG, c'est pas un souci. Mais après, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais c'est vrai qu'après, pour moi, quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui me permettrait d'être intellectuellement parlant, d'avoir une sensation de confort et de plus stressé. Voilà, au niveau de... Mais si vous n'oubliez pas votre fille, vous ne pouvez pas être. Oh là, non, je suis assez carrée pour apprendre.
Voilà, mais en même temps, si ça vous stresse, on peut toujours mettre un stérilet. Enfin, moi, c'est arrivé un peu avec le marteau pilon, il faut être très bien. Après, voilà, c'est vrai que moi, au début, j'étais partie sur cette idée de ligature, une intervention d'une ligature me paraissait plus lourde qu'une intervention courroyure. Oui, mais l'une comme l'autre, c'est quand même une intervention chirurgicale qui sont pas anodines, non? Mais à côté, non, mais je veux pas vous empêcher de faire votre ligature. C'est pas là le truc, mais c'est vrai que il est moins à risque de mettre un stérilet. Enfin, après, c'est vous qui voyez, mais c'est une autre, d'accord. Je suis très, très sceptique là-dessus. J'ai conscience, hein, ça se vous dit que y a 90% de chances qu'ils me disent non, mais après la loi c'est la loi. Mais si au bout de mes 4 mois de réflexion, étant bien informé, je n'ai toujours pas changé d'avis, normalement, il n'y a pas de condition de nombre d'enfants dans le texte de loi. Je sais pas dans le texte de loi, mais ça c'est clair que c'est 35 contre l'enfant, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors là je vous garantis, hein, c'est 35 contre l'enfant, c'est sûr. Vous avez un relation avec le collègue qui va pas faire. Eh bien non, je fais tout celui des parents.